Senti la fatigue, mais son arrivée nous a recouvrés. Voilà, on le salue tous. Bien, comme c'est un illustre invité, il va venir chez nous et puis va retourner comme ça. La coutume BT exige que quand un étranger de sa classe arrive, il faut l'habiller. Comme c'est le chef qui a le micro, au nom du village,
qui vit avec un pain kita, qui fit mon colora de même plat, plus une chaussure de la chefferie. Bakro itika qui fit un pain croca, mon père cabrera. Et puis une enveloppe pour un peu de carburant. Mais moi, quand il y a beaucoup pour le conclure, c'est ce que je voudrais déclarer. C'est à donc l'assistance. C'est ce que le village a eu pour notre prophète. Et sur le moi, il y a un peu de temps. 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 Il y a un À votre nom tous, on a dit le prophète. Moi, mon kangouli, nous avons proclamé la réunion de la voix de Bénin. Pour le Akita, on a proclamé la réunion de Gradika. Makro, Sita Makro. Voilà la chaussure. Makro, la réunion de Gradika. Merci à vous, on va faire ça, c'est bien. Voilà. On va prendre une photo avec lui. C'est photographe Aïka. Alléluia! La Bible dit que les présents réjouissent le cœur du roi. Alléluia! Regarde quelqu'un, dis-lui, tu viens de provoquer quelque chose. Dis-lui, tu viens de provoquer encore quelque chose. Touche-le, dis-lui, tu viens de provoquer encore quelque chose. Tu viens encore de provoquer quelque chose. Est-ce que tu peux déjà commencer à acclamer Jésus pour ta délivrance? Est-ce que tu peux commencer à t'en mettre encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia. 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 Je peux dire qu'il n'est plus à présenter. Son passage dans une localité met fin à la pratique de la sorcellerie. Parce que lui, il a le remède contre la sorcellerie. Le médicament qui arrête la pratique de la sorcellerie, c'est ce don que Dieu lui a fait. C'est celui dont le ministère est semblable à celui du prophète Élie. Quand il s'agit de la démonstration de la puissance de Dieu, ce matin tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Pour celui que je vais t'annoncer maintenant, il est là. Le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le prophète Joël Crasso Shalom qu'on acclame toujours. Jésus. Jésus pour son serviteur. Ele é a casa e a zilha, a mulher.
savez, on introduit Dieu dans la louange. Parce que Dieu, il sied dans la louange. C'est quand le loup qui se glorifie. Voilà. C'est quand on le loue. Et qui se glorifie. La chanson du Lagonzi, il est plus grand que les Irua, il est plus grand que les féticheurs, il est plus grand que la sorcellerie. Alléluia. Jésus est plus grand que les sorciers, il est plus grand que la sorcellerie. Les sorciers, c'est les plaisantins. Je les ai nargués, hier, mais voici vivant. Et ça y est, sûrement. Aucun sorcier ne peut détruire la vie d'un enfant de Dieu. Ce serait qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur d'un sorcier. Il faut savoir à qui tu accuses, c'est tout. Si le sorcier arrivait à ta voix, c'est toi qui lui as donné cette place, raison, pour qu'il puisse t'avoir. Tu lui as ouvert cette porte. Sinon, la Bible dit. L'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui les craignent et les arrache du danger. Entre Dieu et Satan, qui est fort? Vous parlez même pas fort. On est bien. On est là-bas. On est vous avez peur. Entre Satan et Dieu, qui est fort? C'est tout. On est là-bas. Et nous avons tout choisi du côté qui est fort, côté de Dieu. On met à ce clair devant mon nom. C'est ça que David a dit à Goliath. David est bon pour dire que Goliath. Comme tu as insulté Dieu, et il est la moi je viens te mettre à terre. Mais il quand David s'appelle il est doux. C'est tout. Lui comptait sur sa force. Oh yes, sur sa taille. De 5 mètres. Mais oublie qui le mettre au coup. Comptez sur sa force, ses techniques de combat, de guerre. Mais David dit, c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. On va commencer le combat. Je vais gagner. Amen. Oui, parce qu'un combat, l'autre frappe. Mais c'est Dieu qui donne la victoire. Et c'est vrai que David a remporté la victoire face à Goliath. Amen. Il faut que Goliath tombe. Alléluia. Goliath, il lance un défi. Il se pose. Goliath, il t'attaque, il se moque de toi. Mais quand tu es là, il te fait croire que ton Dieu n'est pas fort. Mais on est là, c'est ce qu'il est venu faire croire. C'est qu'à s'opposant à Israël. Mais en insultant l'armée d'Israël, il a dit que le plus fort qui vienne, c'est mesuré à moi. Et j'ai tous peur. Sauf le petit David dit ça. David, on connaît le coup pas ça. Amen. La chrétienté, la connaissez pas même. La foi n'est pas collective, elle est individuelle. Elle est individuelle. Ça dépend de comment tu crois. C'est que même c'est les gens qui ont pas de sorcier, ils tremblent. Mais n'ont pas peur de Dieu. Mais la commande, je comprends pas. Ils ont peur de sorcier. Quand ça dit pas, il écrit. Amen. Mais n'ont pas peur de Dieu. On l'a gommé. Il faut avoir la crainte de Dieu. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, rien ne peut t'arriver. Rien. C'est un message fort ce matin. Rien ne peut arriver. Quelque chose de mal, venant du diable, bien sûr. Ne peut arriver un véritable. Quand les sorciers sont des plaisantins, ils sont vécus il y a longtemps. Il y a longtemps qu'ils sont vécus. Non, il y a longtemps qu'ils sont vécus. Allez, il faut croire. Il ne faut pas jouer ta croyance en Dieu. Amen. Si un sorcier dit tu vas mourir, il faut commencer à se moquer de lui. Si Dieu, parce que la mort là, où est quand Jésus a vécu ça. Amen. Jésus lui est tombé. Et la dernière parole, j'ai été tué. Oh, il y a quelqu'un qui a vécu la mort. C'est pour ça que la mort ne doit pas vous effrayer. L'apôtre Paul dit, pendant qu'on veut le tuer, il dit moi la mort là est moins un gain. Même si je vois, je m'en aussi. Je n'ai rien perdu. Même dans la mort, il m'avait dans le ciel.
et que Kounia Pierre Mera vous dit, ils n'ont pas le monopole de ton souffle. Ils ne peuvent pas décider sur toi. Souffle. Parce que l'Éternel est ton Dieu. Amen. L'Éternel est ton berger. On le pied quoi là? Tu n'es pas le mouton de n'importe qui. Il est le mouton que il mange ça. Ah, moi le bouc qui a dit, il mange les cabris. Mais toi, il y a la marque de Dieu sur toi. Celui qui te touche, touche Dieu. C'est ça qu'il dit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas. Vous pouvez tout toucher, mais celui que j'ai choisi, oin veut dire choisi. La définition de oin, ça veut dire celui que j'ai choisi. Si tu le touches, tu l'as fait à moi. Et cause, amen, c'est clair quoi? Amen. C'est ça que quand tu es choisi de Dieu, d'accord, quel va essayer. Dors tranquille. Amen. Moi je dors bien. Amen. Sans problème. Sans problème. Oh, il n'est pas le cas. Et je les cherche le matin. Parce que je fous en Dieu. Nous sommes à une rencontre ce matin. Je vais t'enseigner la foi. La foi en Dieu. Les premiers menacés sont les diables. Ils sont menacés pour t'intimider. Mais un véritable enfant de Dieu, la gognon, ne doit jamais avoir peur des menaces du diable. On est amen. C'est des plaisantins. Comment appeler quoi? Et ils sont là et puis disent, ils veulent manger les gens, ils veulent manger les gens. Ouais, oh, dans le secret, ils sont sorciers. Mais hier, je vous ai dit, celui qui dit les vrais, vrais sorciers, il n'a qu'à venir. Donc, il n'y a pas un village où il n'y a pas sorcier. Ça n'existe même pas. Un village. Il n'y a pas un village où il n'y a pas sorcier. C'est pour, dire, c'est pour toi, j'ai parlé au sorcier, je vous dis ta sorcellerie là, ça n'a pas de pouvoir, ce n'est rien. Elle est quand même. Faut pas prendre ça pour jouer. Il n'y a rien dedans. La sorcellerie nous a pris. Quand vous regardez la mort de Garayo, Ragayo, parce que nous autres menons des enquêtes. Allez voir la mort. Le taux des gens qui sont à la mort, c'est grave. Les qui de la grâce sont. Vous partez à l'Ivocep, c'est pareil. Parce que quand on va quelque part, on mène des enquêtes. Il y a combien de personnes à mort? Moi pour Kézéka. C'est pour dire que cette région, ce n'est pas amusement. Le blanc était calmé. Amen. Ce n'est pas amusement. Et le village de Soroko, c'est là que les gens achètent la vie humaine. Vous travaillez les gens de Bayota. Vous le savez. C'est ici qu'ils viennent prendre leur appui. C'est ici le marché de sorcellerie. Ici. Moi, il et vous avez vendu votre développement à Bayota. Vous le savez. Vous savez ça. Vous avez vendu votre développement. Or, ici, vous savez que. Ici, vous avez pris le pouvoir de la sorcellerie et vous avez vendu le développement à un autre village. Si la matière de sorcellerie, vous êtes plus fort que. Mais regardez comment la sorcellerie vous a rendu. Mais c'est malheureux. Elle a c'est malheureux. Parce qu'il doit venir faire le marché. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez comme c'est bête. Excusez-moi pour l'expression. C'est trop bête. C'est à Paul André. Non, mais c'est bête. Je suis en train de le dire. Parce qu'on doit vendre ici. On doit vendre là. Ici, c'est ici le pouvoir. Et pour ça, vous vendez vos développements. Amen. Amen. C'est malheureux. Veuillez vous asseoir, parce qu'il a les pépés. Ici, c'est une grande plateforme de la société. Le Soroko. Soroko, c'est pas un petit village. Il y a un Ziriko. Voilà. C'est un marché de sorcellerie. Bon, pour mes clés, t'es vous savez, le prophète. La grande pognon. Donnez la parole de Dieu. Allez, avec la gaule. Que Dieu bénisse. Amen. Ici, si on doit travailler, c'est une semaine. C'est le coup de Dibo. Elle est à Kofodou. À Kanouba, elle est à Mondibo, nous a fait. Dimassi, mais à quelqu'un de Mosse. On va travailler un peu. Amen. Mon quoi, qui est à qui? Amen. Il y a des formules que j'ai, il y a des choses que je vais faire ici.
Dieu. Qui vaut déjà beaucoup de choses par la grâce. Un prophète, c'est qui? La définition. C'est ce que je vais enseigner. Amen. J'ai mis un peu de retard, je devais venir un peu plus tôt. Parce qu'on avait un problème de lutte d'onction là. On appelle ça grenade. Grenade, quand on jette, ça fait bouf. Mm. Ça là, c'est grenade. Vous avez vu ici Maréchal? La brigade anti-sorcier. Donc j'ai des mots. Guerrier. Du sort de ma part. On est à Kabulide. Donc, allez, parce que hier on a fini un peu, il fallait préparer la grenade pour venir. Lui qui m'a bien encore, elle dit qu'il faut que Gigalé vous laisse Gigalé. Vous les sorciers là, vous qui effrayez les gens. Hein. Sous les, si, vous avez, si ils ne sont pas inquiétés, ils s'installent. Donc, moi je suis venu vous inquiéter. Bon, à Kokra. Vous délogez du village. Et quand tout le monde petit. Je ne suis pas en train de m'amuser. Donc j'ai préparé ma grenade. Et puis j'ai versé dans le village. Comme ça, quand tu vas prendre Air Soroko là. Et quand vous prenez un avion, coup de vie Air Soroko. Au lieu de prendre Air Côte d'Ivoire, Air Soroko là, tu veux. Mais là, il y a quoi? C'est pas les toits ceux qui sont dedans. Il y a le quoi? Comme jet privé. Quand tu as décollé, tu vas tomber. Et quand il y a quoi? Voilà. Vos pistes d'atterrissage, bizarre. Ça, bizarre, ça va tout détruire. Parce que, regardez, pour comment les médecins arrivent à créer antibiotiques? Comment? Ils ont quelle intelligence? C'est Dieu qui met ça dans leur tête. Comment un être humain arrive à fabriquer un avion? Mais comment un être humain arrive à fabriquer le moteur d'une voiture? Une voiture. Il détient ça de qui? Comment les gens arrivent à fabriquer bombes? Il détient ça de qui? Cette connaissance. Moi, pendant des années, j'ai demandé à Dieu, je veux la formule. Quand je rentre dans un village, et puis que les sorciers meurent, même si c'est un bébé dans le vent, que les sorciers qu'ils meurent. C'est depuis le mois de décembre que j'ai eu ça. On allait essayer ça à Boisflé. On va essayer ça ici. C'est comme ça. Les sorciers, nous on est là pour vous. Hein. Ce n'est pas fait de nom. Les prophètes, les pasteurs. Je suis prophète, je n'ai pas fait de pasteur. Je suis prophète. Voilà, voici pasteur. Pasteur, viens que Dieu te bénisse. Amen. Venez. Voici pasteur. Il a une église. Est-ce qu'on peut acclamer le pasteur? Amen. Pasteur Mon. J'aime vraiment l'esprit de cet homme de Dieu. J'ai toujours dit aux gens, chacun a son don. Et chacun a son ministère. Le ministre d'économie ne peut pas être le ministre de la santé. Chacun a un ministère. Chacun a son ministère. Depuis avant que je n'arrive ici, mes collaborateurs m'ont parlé de lui. Comment il collabore, il reconnaît que cette œuvre est de Dieu. Et c'est ça la collaboration. Mais nous, autres, nous évangélisons et nous partons. Mais il y a un suivi. Après nous, vous devez être suivi. Mais bien sûr. Parce que nous ne créons pas des églises. Non, nous ne créons pas des églises. Moi, j'ai un son de prière et ça a Divo. Divo est plus éclat. Voilà. J'ai un son de prière. Si Sorcher te poursuit, viens. Brigade. Non, le poursuit pour l'attraper. Non, c'est comme ça, nous, cette brigade. Il y a tellement de saletés en Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire crée une brigade anti-salébrité. Brigade de cas. C'est comme ça. Le jour où il a commencé à porter t-shirt, on dit, mais Sorcier, il y a brigade de ça aussi, sorcellerie. Ils font la même chose. Mais pour eux, c'est la nuit. Quoi, dis-moi, il vient voler ta chance. C'est votre. Il vient, il tue. C'est criminel. Donc, il faut qu'on leur déclare la guerre. À visage de couvert. C'est pour nous, mon ami. Nous, c'est à visage de couvert. Donc, le pasteur, que Dieu te bénisse. J'aimerais qu'après nos passages, vous fréquentez l'église du pasteur. Voilà, vous fréquentez l'église du pasteur pour la continuité de votre vie chrétienne, pour qu'il puisse vous soutenir, pour qu'il puisse vous aider dans la foi.
bien, la foi vient de ce qu'on a compris. On comprend. Et ça, c'est vraiment important. Donc, pour comprendre les choses, il faut aller à l'église. Amen. Amen. En temps normal, tous les pasteurs de Dieu doivent collaborer ensemble. Chacun son c'est pas tout le monde qui lance des filles à sorcier. Parce qu'en temps normal, sorcier, là, c'est pas camarade de quelqu'un. Quand tu leur lances des filles, je remis un peu. Amen. Mais comme c'est un don, ça vient pas de moi. Vous êtes fâché ou vous n'êtes pas fâché. C'est celui qui dit les sorciers n'a qu'à l'aider de toi seulement. Voilà. Que ce que tu fais là, c'est rien. Tu me dis ça seulement. Tu vas saigner du nez, des oreilles et de la bouche. Petite démonstration. C'est à qui? Moi, c'est tout. C'est quand même faut dire ce que tu fais là, c'est rien. Je vais t'arracher toutes tes dents. Les dents tu prends pour manger la viande de l'arbre, tu vas t'arracher. Je vais te montrer que ta sorcellerie là, c'est rien vis-à-vis de la personne. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, un prophète, c'est qui? Ça veut dire quoi? Un prophète, selon la parole de Dieu. C'est la prophète. 1 Samuel 9, le verset 9. Il faut que je vous explique un peu. Pour que vous puissiez comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Le prophète et le pasteur, ils n'ont pas le même ministère. Ils n'ont pas la même intervention. Écoutez-moi très bien. Les gens sont habitués au ministère des pasteurs. Ou bien des prêtres. On n'a pas la même manière d'opérer. C'est le prophète qui peut voir dans une termitière le village. Prophète est né. Le pasteur peut passer. C'est pas son don. C'est le prophète qui voit. Moi, je suis ici. C'est de voir. Je suis obligé, de me montrer. C'est que vous ne voyez pas. C'est mon don. C'est ça qu'un médecin qui veut te soigner, il dit, il faut aller faire la prise de sang et on voit ce qui est dans le sang avant de te traiter. Nous sommes comme ça, microscope. On essaie de voir d'où vient le mal. Comment les gens ont créé microscope? Mais ce sont les mêmes manières qu'on réfléchit. C'est moi, c'est moi. On crée l'appareil parce que quand on regarde, il y a des bactéries qui détruisent les gens. Et puis Dieu leur a donné l'intelligence. Des fois des bactéries. C'est comme ça. Quand tu cherches, Dieu te donne. Donne-moi ce mon don. Si je passe tout dans une maison, je vais verser l'huile. Si je suis en charge à prisonner. Je ne cache pas, je dis la vérité. Si je dis là, c'est vrai, c'est vérifié. Bah, mais clair. C'est pas parce que je parle. Il y a les gens sur la page qui sont ils savent que ce qui est dit la vérité. Il ne peut pas lever le doigt. Il s'est saigné. Et ça, c'est pas amusement. Parce que mon ministère, c'est pour vous montrer la puissance de Dieu. Comment tu es puissant vis-à-vis de la société. Pour que vous puissiez croire en Dieu. Tu m'as les sorciers, c'est qui? C'est pour s'envoler la nuit, c'est manger hors terre déjà. Vous voyez, c'est ça qui est travail. Aller manger l'homme, c'est travail ça? Et quand il n'y a pas dit? C'est pas travail. Nous n'avons plus besoin de ça. Vous avez la sorcellerie, les gens sont venus, tu vous tues dans les villages ici pendant la crise. Vous avez fait quoi ça? Ils sont venus te chicoter à cause des fusils. Tu as fui, tu dis des sorciers. Pourquoi tu ne les manges pas? Il y a des dîners. Vas-y, viens le cadeau. Je fuis. Il y a des dîners. Vous voyez comme c'est bête. Yes, c'est pour manger bien le sommeil. Vous voyez que c'est ça qui est force. Les gens, c'est ça qui est. Vous avez tous fui ici? À Foro. La forêt classée là-bas. Mais en qui t'a oublié. Bègue la main, tu ne peux pas partir. J'allais dormir avec les serpents, t'as un pipe. Mais le t'es bien, copéquin. Donc un sort, un prophète, c'est un voyant. 1 Samuel le chapitre 9, le verset 9. Écoutez moi, très bien. Je vous parce qu'on va commencer à travailler tout à l'heure. Je vous explique comment les prophètes. 1 Samuel chapitre 9, le verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Très bien. Depuis que je suis rentré dans le village, je n'ai pas encore mangé.
définir mon travail. Ça me tient à cœur. Parce qu'il y a des choses qu'il doit régler d'abord avant de bouger. Amen. Donc si tu as faim, fallait doucement. Je parle à ceux qui parlent un peu dans leur cœur. Parce que je connais beaucoup de pensées. Donc on va doucement. Amen. Yeah. On attend de régler un problème définitivement et puis ça va finir. Et on sera à l'aise. Mais faut pas oublier. Souvent ce que tu dis là, je comprends. C'est ça mon problème. Je comprends un peu. Donc la parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel le verset 9, chapitre 9, le verset 9. 1 Samuel dit pour le autrefois. Quand on allait consulter Dieu, on disait allons voir le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, on l'appelle le voyant. Ce monde que vous voyez là, il y a un autre monde dedans. C'est qu'on appelle le monde invisible. Voilà, donc un prophète, il a la capacité de voir ce que vous ne voyez pas. Un prophète est né. Donc, c'est ce qu'on appelle prophète. Il est voyant. Voilà. Donc vous ne pouvez pas voir de la même manière que lui. Sinon son ministère n'est plus utile. C'est lui, il est un guide. Celui qui vous oriente. Faisons comme ça. Si on fait comme ça, quand on fait comme ça, les choses se règlent. C'est comme ça le prophète. Voilà, lui, il vient. Lui, c'est sa mission. Voilà, montrer les choses. Donc le prophète, c'est un voyant. Le prophète, c'est un voyant. Et il a une manière de travailler. Le prophète. Un prophète ne travaille pas de la même manière que le pasteur. Même s'il établit sur l'église, il reste prophète. Prophète sa manière de travailler. Les gens sont tous médecins. Mais le chirurgien, il a la couteau pour opérer seulement les gens. Okay. Il ne pas. Il dit va te coucher, lui ton père. On est avec l'équipe. Voilà, juste comme ça il est. Mais pédicolo et que ça fait peur, mais il paye, il connaît la maladie. Donc chaque homme de Dieu a son ministère. Et il y a une manière de travailler du prophète. Mais aussi on le dit bon. Le prophète, oh yeah, il vient poser une action qu'on appelle action prophétique. Ce sera que mais de toute façon il travaille là, c'est pas comme ça mon pasteur travaille. On n'a pas la même chose. Ok, on prend la parole de Dieu. 1 Corinthiens le chapitre 12, le verset 3-4. Je vais expliquer un peu. Tu sais, quand tu connais pas, il faut pas dénigrer celui qui fait. 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 3-4. C'est pourquoi je vous déclare que nul. Allons-y à 4, c'est un peu rapide. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Dieu et la Bible disent qu'il y a beaucoup de dons. Mais le même esprit. Mais c'est le même esprit. Diversité de ministères. Il y a beaucoup de ministères. Mais le même Seigneur. C'est pour dire que c'est le même Dieu qu'on sait. Diversité d'opérations. On dit diversité d'opérations, ça dit mais le même Dieu qui opère sous en tous. Vous comprenez? Il y a beaucoup de dons. Donc souvent, il y a des choses qui te dépassent, que tu découvres. Oui, parce qu'il y a des choses qui vont te dépasser. Ah, chez nous, là, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne fait pas. Mais la main de Dieu n'est pas limitée. Dieu, il est souverain. Quand on parle de la souveraineté de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas limité. Il peut tout faire. Voilà. Il peut tout faire. Si on dit un canari dans un village, ce n'est pas prière. Il faut les déterrer. C'est tout. C'est tout. Mais souvent on dit aux gens, ils ont enterré ta chance au village. Mais il faut les déterrer ça. Et les gens pensent qu'ils sont à Abidjan, ils peuvent prier pour que ça se déterre. Le vieux canari du sorcier. Toi, tu peux déterrer toi, ton pasteur. Non. La prière, elle peut déterrer ça. Il y a des choses qui sont élevées pour partir. Mais quel bon sein. Ah oui, bah, il ne faut pas arrêter les gens, les frères, les gens, non. Ouais. Il faut s'élever, il faut aller vers les sorciers et détruire. C'est de bon. Ici, nous avons des images. Des canaries qu'on a détruits à la chair humaine. Nous, les sorciers, vous voyez là. La sorcellerie, c'est une science.
Il cherche son culte. Elle est évolutive. Aujourd'hui, les gens pensent que la sorcellerie, quand tu es passé ton papa dedans, ta main. Non. Le sorcier, aujourd'hui, s'il veut te manger, il te mange. Il n'a pas besoin que tu sois son frère ou sa soeur. On est avec lui, que le corps d'Aïzo, à quel grippe le coco. Ah, c'est ce que peut-être que vous ne savez pas. Parce qu'ils ont évolué. Ils ont évolué. Et regardez, si en 90 ou 80, tu dis un vieux du village que tu auras portable téléphone, il va te gifler. N'est-ce pas? Qui pensait qu'un jour on allait avoir un portable comme ça? Vous allez nous l'appeler de France au village, au recours pour parler à la personne qui est à Paris. Qui croyait ça? Mais aujourd'hui, cette année, là, c'est créé. C'est comme ça la société fonctionne. Bien sûr. Elle est évolutive. Du coup, c'est un mec. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin que tu sois leurs parents. Si un sorcier veut te manger, okay. C'est ton cas. C'est pour ça que si tu n'as pas mangé, il faut dire Dieu merci. Et si un sorcier veut t'initier, il va t'initier. Mon père, on ne peut jamais m'initier. On n'achète pas sorcellerie. On initie. C'est pour ça que priez pour vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène, c'est répandu dans les écoles. Et la fois, il vient à l'école, dans l'aliment, dans la nourriture, dans pain, makala. On fait le zé moka. On prie le cran. Où est ton ami t'invite? Viens manger. Toi, tu vois goûter, non? Et d'où vous le là, il y a que dit. C'est ça. Mange. Quand tu manges, il a rendez-vous la nuit. Oh, vous dites ce que tu as mangé. Mon frère Zadi t'a mangé. C'est Zadi t'a mangé. Tu as mangé sa grosse tête là. Tu as vu grosse tête d'Agouti qui mangeait. Oh, c'est la tête de Zadi. Et sa grosse tête là, tu as mangé. Là-haut, là, il a dit, ah, toi t'as mangé pour moi. Donc, qui a cueilli, on a payé. C'est un nion. Sauf ça, avant de manger, il faut prier. On dit tout est sanctifié par la prière. Tout est sanctifié par la prière. Comment les gens vont pas vous envoûter? Est-ce que toi tu es Dieu? Mais il faut rendre grâce à Dieu. Et puis vous lui dites, je ne serai pas. Je te le confie. Sanctifie ce repas. C'est fini. Dieu protège le repas. Mais tu es là. Écoute-moi. Non, je ne parle pas d'une religion. Je vous dis comme ça, c'est pas prière. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien fait signe de croix. Oh, la croix veut dire souffrance. Moi je suis théologien, j'ai une licence en théologie, donc je connais la parole de Dieu. Je suis d'abord musulman, avant de devenir chrétien. Mon père est musulman, ma mère était peu malienne. Je suis devenu à l'Akba avant de devenir chrétien. Donc je connais, je suis allé étudier la parole de Dieu pour devenir chrétien, homme de Dieu. Donc la Bible dit, tout est sanctifié par la prière. Il y a des gens ici qui ont l'esprit de poison, bille de caïman dans le village, qui empoisonne les gens. Qui sont quand on crée un coca et quoi, et tu le mets. Oui. Il n'y a pas moyen qu'on brille. Quand on crée, ils ont ça ici. À suivre quand même. C'est ça que tout à l'heure je vous disais. Si on veut faire un travail, il nous faut une présence d'une semaine ici. Parce que ici c'est la base. C'est la base arrière de la sorcellerie. C'est la base. Je sais que vous n'allez pas avancer. Non seulement ça, mais ils ont fondu le développement. Et nous, on peut aller chercher ça. Oui, pas une action. Donc, voici le travail qu'on fait. Donc, le prophète, c'est un voyant. Il ne travaille pas. Nous, on fait un travail de fond. Le pasteur vient lui prêche. Nous, on a fait aux sorciers. On parle avec lui. On leur dit, vous avez voyé le voyage. C'est tout. Et nous passons quelque part, le développement s'installe. Allez demander à Iré, il y a un village qu'on appelle Saroko. Ce village-là, en deux mois, ils ont rempli un cimetière.
Parce que tu manges rat, tu manges singe. Bon, il y a d'autres qui mangent singe. Moi, j'ai peur de manger singe. Je suis dans la boutique, je suis le spécialiste de manger la boutique. Hein? Oh, non, c'est le morceau, pas la tête. J'ai trop peur de faire la boutique. Écureuil, tout ça. Donc, en deux mois, ils ont rempli un cimetière. Ils ont creusé le château de deux fois, c'est bloqué. Et puis ils m'envoyaient dans le village. C'est comme ça, en quelques mois, quelques temps, la situation a changé. Ils ont eu le château d'eau, ils ont eu de l'eau. Et la mortalité s'est arrêtée. Si vous ne combattez pas les sorciers, ils vont vous combattre. D'ailleurs, ils combattent. Si vous les combattez ou pas, ils sont là pour vous combattre. Donc celui qui peut régler le problème, c'est un prophète né. Parce qu'il voit. C'est le prophète qui peut venir régler ça. Je suis en train de vous parler un peu de sorcellerie, c'est sérieux. Si un sorcier veut t'initier, il va tourner autour de toi. Il va faire de toi camarade. Il va te donner à manger. Il va tout faire pour que tu aies confiance en lui. Il va te mettre en confiance. J'ai une soeur, elle tourne auprès de toi. Elle demande. J'ai dormi chez toi aujourd'hui. C'est là que tu vas comprendre. Vous dormez ensemble, tu la fais confiance. Parce qu'elle t'a démontré par rapport à ce qu'elle fait comme cadeau, qu'elle n'est rien. La nuit, elle va te faire voyager. Ce sera qu'avant de dormir, il faut prier. Mais il faut prier. Parce que le diable travaille la nuit. On l'appelle les puissances des ténèbres. Les sorciers, ils travaillent à partir de minuit et 3h30 du matin. C'est à 3h30 qu'ils arrêtent de travailler. À partir de 3h30. À 4h, c'est 4h qui s'ouvrent les portes de la journée. Et c'est à 4h qu'on appelle l'aurore. Ce sera qu'un véritable chrétien, il s'élève à 3h. À 4h, il commence à prier. Celui qui prie à 6h, il a déjà raté. Les anges, regardez les anges, ils sont venus dire à Jacob, il dit, laisse-moi aller parce que l'aurore arrive. Laisse-moi aller. Il dit, je ne te laisserai pas partir. C'est à 4h que le nom de Jacob est sur Jean d'Israël. Je suis en train de vous donner les secrets. On n'est pas chrétien. La chrétienté, ce n'est pas un nom, c'est une vie. C'est une vie. Il faut cultiver cette vie chrétienne. La prière. Or, la spiritualité a horreur de la négligence. La spiritualité n'aime pas la vie. Le jour où tu vas négliger de prier, c'est fini. On te donne le bon morceau. Mon foutu banane bien rouge là. Une sauce déglutie dedans. Bien. Sauce graine. Et tu manges. Bien lourde là, tu manges. Maintenant, on te donne du vin, c'est le sang. Tu bois. C'est fini. Tu demi sorcier. C'est ça que lorsque vous voyez que vous mangez en rêve, quand vous commencez à manger à rêve, cherchez à faire votre délivrance. Nous voulons, mes pasteurs à moi, mes prophètes à moi, aucun n'est à bout. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Parce que tu as déjà la préparation à l'initiation. Parce que la sorcellerie, là, ça a deux formes. Il y a la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. J'explique ça. C'est comme un enfant. Chacun d'entre nous est passé un mois et un jour jusqu'à ce que tu aies l'âge que tu as. Quand tu avais un jour, c'est ce qu'on appelle l'état de l'inconscience. Mais tu étais enfant. Bien que tu aies un jour, mais tu es enfant. Un an, tu es enfant. Mais c'est l'état de la conscience. Jusqu'à ce que tu prennes conscience et que tu sais, aller à l'école, dis bonjour et ça va se balader. Donc, quand la sorcellerie veut commencer dans la vie de quelqu'un, la première action qui se mène, d'abord, c'est qu'ils vont commencer à te faire manger en rêve. Et tu as l'impression que tu manges mais avec des personnes inconnues. Tu ne les vois pas. Et souvent, il y a des lures rouges dedans.
et tu ne vois pas des personnes. Mais et nous irriguer. Au fur et à mesure, ça se développe. Goto, goto. Si ça ne s'arrête pas, ça va se développer. Mais et ça là, voilà, tu vas arriver à l'état de la sorcellerie consciente. Ou toi-même tu es convaincu. Mais parce que vous savez, les sorciers ont une mémoire. Ils savent ce qu'ils font. Quand sorcier tue Henri, ok Henri devant. Il sait que c'est Henri que j'ai tué. Henri met devant quelque chose. Il connaît le nom des gens qu'il a tués. Mais si il devant quelque chose. À Fresco. Fresco d'un tout qui met. Elle a tué 7732 personnes. Il quoi les pop tellement devant. C'est un génocide. On te voit tout cri. Bon, toi tu manges non? Et ne dis-moi pas. De toute façon tu manges. C'est 10 cas. C'est comme ça sorcier mange. C'est bon, un couillon 10 cas. Je vous ai dit, ça ne doit pas vous étonner parce que je vous ai déjà parlé. Comment se manifeste la sorcellerie? Celui qui dit les sorciers n'a pas tué, giflez-le. Excusez-moi. Sorcier veut dire j'ai tué. Sinon tu fais quoi là-bas? Il était là, moi ça. Non, moi mais il a l'assiette, il ment. Moti, bébé ou la raïs. Donc ils vont donner, et puis t'as mangé, t'as lavé l'assiette, plongeur. Quand il lave l'assiette, ça va. Tu es un menteur. Quand il mange, voyez les gens quand ils lavent l'assiette. Moti. Oui, on les envoie seulement. Et mais voilà. Pour les deux, ils coupent viande seulement, et ils tuent pas. Moti, moi, détruis jamais les mains. Le fait même de voir là-bas, c'est que tu tues. Et que Moti prend. Parce que c'est pas tout le monde qui voit dans la sorcellerie. Moti. Et comment prêter? C'est ça que c'est dangereux d'être sorcier. C'est contre ta volonté. Tu veux, tu veux pas, tu vas donner. C'est une tentative humaine. Aujourd'hui, c'est toi. Ils vont attendre, quand ton tour va venir, tu vas donner. Si tu n'as pas donné un membre de ta famille, parce qu'aujourd'hui, ça ne s'aligne pas sur la famille maintenant. Hein. Ah non, si ma maman était sorcière, il y a longtemps, nous a dit à tuer. Mais ça, ça ne veut rien dire. On est... Les sorciers ne font pas que tuer. Ils vendent aussi la chance. Ils vendent la chance. Ils font pas l'argent des enfants, ils vendent. Et vous êtes nuls. Vous n'avez rien. C'est comme ça la sorcellerie. C'est comme ça, oui. Ils vendent la chance. Ils vendent la chance. Donc, sorcier, ça passe au moment tuer, c'est la délinquance détruite. Et quand la sorcellerie est dans une famille, vous constatez le retard. Vous sentez que vous partez, et vous revenez à l'arrière. Bloqué. Ça veut dire qu'il y a une présence d'une main obscure qui vous empêche d'évoluer. C'est tout. Et quand on a la sorcellerie dans nos vies, on est du moins victime de la sorcellerie. Il y a un signe souvent que Dieu nous montre dans les rêves. L'exemple, un chien va te mordre. Un chien te poursuit. On peut dire ailleurs. Bien aimé, il va te faire délivrer. Mais, si tu as mordu le chien, tu vas mourir par accident. Tu es dans un rêve, tu vois un chien qui est mort. Franchement. Ou même si on a tiré sur toi un rêve. Ou même si un bœuf t'a coigné. Ça veut dire que tu vas mourir par accident. Ou bien un problème, arrêt cardiaque. Tu vas dormir, ton cœur s'arrête. Il y a des rêves bizarres comme ça, vous voyez. Où on vous poursuit un rêve. Ça veut dire qu'il y a la sorcellerie à ta trousse. Amen. L'exorciste existe, il travaille efficacement. Et il ne rate jamais. C'est Dieu seul qui les fait échouer. Dis Amen. Alléluia. C'est Dieu seul qui fait échouer la sorcellerie. Ce sont toi qui vous dit non, sorcellerie ne va pas me tuer. Je ne vois pas. Non, moi il ne va pas à l'église, mais sorcier ne me moyen pas. Bouillonner en berry. Quand t'as quel pouvoir pour t'opposer à la sorcellerie? Nous-mêmes, c'est la grâce de Dieu qui nous protège. Sinon, sorcier, ils ne jouent pas. Ils sont experts dans le mal. Or, la chose la plus terrible, mais ils savent que ce sont ceux qui ont la chance. Ils savent. La gloire, ils savent que ça est sur le front de chacun.
Ce qu'on appelle les toits, c'est la gloire, la chance. Quand ça brille, toi-même tu sens ça. Tu sens que tout brille. Oui, c'est du tout. Amen. Quand tu es dans l'obscurité, toi-même tu sais. Et que tu tiens au coïssé. N'est-ce pas? Il y a les gens qui sont là, ils savent qu'ils sont dans l'obscurité. Et puis il y a les gens qui sont dans délestage. Ils s'allument, c'était. Il s'allume, il s'éteint. Souvent ça s'allume. Il voit les petits 1000 francs, 10 000. Après ça s'éteint, il voit mais, plus. Et après ça s'allume encore. Mais, délestage. Délestage spirituel. Ils ont délestage. C'est ce qu'on appelle délestage. Ça s'allume un coup. Puis quelqu'un se souvient de toi à Paris, t'envoie l'argent, tu es content. Ou bien monsieur vient pas te marier, il a l'argent. Et puis, comme ça, laissez-moi vous dire quelque chose. Apprenez à fermer votre bouche. Quand vous avez un sujet qui ne s'est pas encore concrétisé, fermez votre bouche. Mais le diable, il aime bien l'information. Dis amen. Il aime bien l'information. Sauf cela, il faut garder secret. Il faut dis à quelqu'un, ferme ta bouche. Alléluia. Qui connaît l'histoire de la naissance de Jésus? Qui connaît sa naissance? Amen. Quand Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu l'étoile de Jésus. Ceux qui ont vu l'étoile de Jésus ne sont pas les chrétiens. Ce sont les astrologues, les magiciens. Ils sont allés dans le but d'adorer Jésus. Et ils arrivent à Jérusalem. Ils s'adressent au roi. Ils sont allés voir le roi. Ils étaient très contents d'annoncer cette nouvelle au roi. N'est-ce pas? Ils étaient très contents d'annoncer la nouvelle au roi. Mais quand le roi a eu l'information, ça l'a tristé. Quand tu as une bonne nouvelle, il faut regarder celui à qui tu parles. Il faut regarder ses yeux. Si ses oreilles se lèvent en décanichon, on va perdre de lui. Il est là, ça se dresse comme ça en décaniche, on va perdre de lui. Et puis souvent il te dit non, laissons ça, parlons d'autre chose. C'est un sorcier, tu vois. Il a déjà enregistré. Voici le monsieur va te marier. Il va te demander, ah non, le monsieur il dit quoi? Tu voudrais bien, oh. Il dit, va te marier. C'est ça? Elle dit oui. Et puis elle est triste. Elle va aller dormir. Elle va fermer le numéro du monsieur. Tu vas l'appeler matin. Je suis là. Orange, bonjour. Votre correspondant ne peut pas te joindre. Orange, bonjour. Le monsieur ne peut pas être joint. Si tu insistes, Orange va te dire le monsieur a fui, il ne faut pas insister. Il ne va plus te marier, il a fui. C'est-à-dire, parce que ce que tu as dit là, elle avait fait son travail la nuit. Elle prend le mariage, elle la ferme dans la bouteille. Donc tu marches, tu n'as pas ton mariage. Mais oui. Et toi-même, tu sens, partout où tu penses, c'est l'impression que tu es absent parmi tes gens. Mais en rien, les autres ne te regardent pas. D'autres même, ils font tout pour se maquiller, pour faire tout. Qui te voit? On danse même, qui te regarde? C'est le gnéni, gnéni, gnéni là. J'enlève chez toi. Parce qu'ils ont fermé ton mariage. Personne sur cette terre n'est pour être célibataire. Personne. Dieu a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la bénédiction que Dieu a prononcée sur la race humaine. Donc si tu as ce problème, ça veut dire que la sorcellerie a bloqué ça. Or, la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le. On n'a pas dit celui qui a trouvé un homme.
Laisse-moi bien saisir. Attendez. La Bible se trompe. Hein. Le bonheur de l'homme, là, c'est la femme qui fait ça. Laisse-moi bien saisir. C'est la femme qui fait le bonheur de l'homme. C'est pas l'homme qui fait le bonheur de la femme. C'est pour ça que vous, les femmes, là, ne laissez pas l'homme seul dépenser sur vous. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? C'est la femme qui fait le bonheur. Or, si tu couches de garçon en garçon, tu rencontres un sorcier, il t'arrache le bonheur, il s'en va. Tu connais pas quelqu'un bien bien. Excusez-moi, il y a les enfants, mais je vais parler. Il y a des rapports sexuels. C'est la pénétration d'un homme dans une femme. Tu ne le connais pas, il est sorcier. Il prend. Il prend. On ne peut plus qu'avec 10 000 quand tu dors avec quelqu'un, il faut être sûr que lui, il n'est pas sorcier. Parce que le contact avec un sorcier, c'est fini. Il te gâte. On le gâte. Une 10 minutes suffit pour que le sorcier te gâte. 10 minutes. Parce que lui sait ce que tu es. Il connaît ton bonheur. Il connaît ce qui est en toi. Donc il éteint ta lumière. Il éteint ça. Vous êtes dans les funérailles. Quand il y a un funérailles, vous allez danser. Vous cherchez les gars. Vous, tu le connais. C'est Pataki. Amela Seterke. Le gars qui est venu au funérail, là, tu le connais. Pour 10 000 francs, okay, tu vends toute ta vie. Mais pour, le père, pour 2 000 francs, tu vends toute ta vie. Sort, et c'est fini. Et puis, y a les bénévoles. Et puis maintenant, c'est venu nous amener à l'église, nous les pasteurs, on a prié pour toi. Non, mais on ne me regarde pas, tout le monde passe seulement. On ne me fait même pas pis. Tout le monde la passe. Prenez-moi pour éclairer. Moi-même, j'ai vieilli seulement. Mais parce qu'en temps normal, les sorciers peuvent te donner le visage d'une vieille personne. Ils sont experts dedans. Ils sont là, ils te donnent le visage d'une vieille personne. Et la personne derrière, elle voit une autre personne. Mais on est irrité. Amen. C'est cela que frère, votre chambre où vous dormez là, c'est pas tout le monde. Tu dois dormir sur ce lit. La Bible dit que votre couchette ne soit pas exemple de suivre. Ce n'est pas tout le monde qui doit dormir sur ton lit. Que ce soit ta mère, ton père, c'est ta chambre. C'est là que tu te reposes. C'est sacré pour toi. Si tu le cèdes, ça, c'est que tu lui cèdes tout ton pouvoir. Celui à qui tu cèdes ton lit, tu lui donnes ton pouvoir. Tu lui donnes de régner sur toi. C'est le secret que je suis en train de vous donner. Je suis en train d'écrire un livre, ça va sortir cette année. Je suis expert en stratégie de lutte contre la sorcellerie. C'est vrai, toi tu ne sais pas, tu es gentil. C'est ce que ça veut dire. Tu es gentil. Mais c'est dangereux. Qui c'est un sorcier qui t'a logé? Amen. C'est dangereux. Quand tu donnes un vêtement à un sorcier. Parce que ta sueur, tu vois là. Le feu que ton corps a touché. Ça laisse des empreintes dedans. Il y a ce qu'on appelle la police scientifique. Chez les blancs, c'est développé. Il y a les policiers, eux, ils ne sont pas là pour fusil. Eux, ils regardent, ils sont là pour détecter les empreintes de ceux qui sont venus te tuer. C'est ce qu'on appelle la police scientifique. Les policiers, France, ils ont dit, mais ils ont fait le cas. Il fait prendre l'habit et puis faire sortir l'image de celui qui a touché l'habit. Je vous dis que ton habit que tu as là, il y a ton empreinte dedans. Donc quand le sorcier lui dit, l'habit que tu portes plus, donne là. Si tu lui as donné, c'est qui est dedans là. Qui il prend. Il peut te prendre. Il peut te prendre ton âme dans ça. Et vous allez peut-être, pour ceux qui ne savent pas, vous allez les voir, ils vont chez eux à la maison, eux ils renversent.
Est-ce que vous avez compris? Quand ils voient ça bien, non? Quand ils veulent te tuer, eux, ils renversent ça la nuit. Ils font ça en envers. Mais là, ils commencent à faire. Ils renversent. Et puis, prends ton âme. Combien il vient, il dit, l'argent, donne-moi 100 francs. Tu vois que tu as beaucoup de 100 francs, c'est un débarras. Comme ton doigt a touché l'argent, il y a tes empreintes. N'est-ce pas? C'est l'empreinte là qui l'intéresse. Quand il prend, le jour te donne 100 000, ça tombe dans sa main. Ce sera que souvent tu as l'argent, Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai pu faire là? Et puis c'est répété. Ça veut dire, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui contrôle ton argent. Amen. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, il y a la sorcellerie. Il y a la sorcellerie. C'est pour ça qu'un homme de Dieu doit les dénoncer à l'église. À l'église n'est pas fait pour ça. Chez nous, quand tu es sorcier, tu n'as pas place. Chez nous, quand tu dis tu es sorcier, tu quittes sur le banc et tu as un autre banc. Faut pas te mélanger à nous. Parce que les sorciers qui ont la cible de quelqu'un, ils le voient en poulet. Pendant que tu fais le Seigneur est merveilleux, tu vois un genou. Toi, tu adores le Seigneur, mais le gars, il a envie de te manger. Il s'est dit, mais voilà, viens qui prie le Seigneur. Il faut qu'il le mange. Dans un village à Grand Laou. Je suis allé faire une délivrance là-bas, ça va aller bien. Je ne dis pas le nom de l'église, mais dans cette église-là, chaque mois, les gens meurent. Au sein de l'église, les membres. Chaque mois, il y a funérailles. Le prophète vient. Quand je suis venu, j'ai détecté qu'on appelle balance, où on pèse les gens là, devant l'église. Ça veut dire si tu pesais, c'est quand ils attendent que tu as 100 kilos. Et il t'engraisse. Spirituellement, c'est le prédicateur de l'église. C'est lui qui fait ça. Un prédicateur, oublié la parole. Voilà, c'est le prédicateur de l'église. Donc quand toi tu viens, tu les salues, après le culte, vous saluez les gens, c'est salut, et puis lui tu mets dedans. Il t'a remarqué, il est lui là. Il a bien arrivé. Faut qu'on le mette dans son djunglé. Lui, là, c'est son djunglé, graine dedans, j'en mets djunglé, graine, puisque ça vient lourd, on le mange bien. Amen. Et donc, c'est comme ça. Tu penses aller à l'église, mais tu n'es pas protégé. Et c'est comme ça, j'étais démasqué. Quand ils m'ont donné la parole, je l'ai indécé. Je suis allé vers lui. Vous connaissez bien les sorciers. Il veut discuter. J'ai foncé sur lui, il veut discuter. J'ai prononcé ma parole. Il a été en train de dire. Tu veux discuter? Encore, ils aiment bien discuter les sorciers. Les plus grands nieux, c'est les sorciers. Vous allez l'attraper, tout chevalier. C'est ça que il faut que nos prédicateurs dénoncent cette pratique. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous devons les dénoncer. Et nous devons les dénoncer. Parce que des sorciers dans une église vont faire tomber l'église. Ils vont faire tomber l'église. Dans d'autres mêmes, ça a fait cela, ils veulent prendre communion. Bénis le Seigneur, notre Dieu. Amen. Prends le corps du Christ. C'est l'autre côté là, il prend pour dire Amen. Amen. L'autre côté là. Amen. Le gars, il voit pas. On est quand il gagne. Amen. C'est tout ça là. Le monsieur, il regarde, il voit pas. C'est ça que le prédicateur, on doit voir.
La Bible dit qu'un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Jamais. Ils tous tomberont dans le même fossé. C'est quoi, c'est quoi? Là, tu vas prendre communion, ton anus, viens chez moi, prends communion. Et puis il a communion. Mais c'est machette. Prenez le corps du Christ. Amen. C'est machette, mets dedans. Ça sort ici. Hey, ça, qui voit, il ne voit pas. Moi, il casse, moi, il. Toi, tu ne vois pas clair, tu dis. Prenez le corps du Christ. Ah. Allez, okay. Tu mets dedans. Oh, il peut dire quoi? Bon, quelque chose t'a mis dans l'anus, tu ne vas pas avoir malédiction. Il te l'a volé, mais c'est moi. Tout, tu as tout pris. Parce que les quatre t'as mis dans la couche, viens sur toi. Amen. Tu as tout ça sur toi, il dit t'avoir. Il te l'a volé, il te l'a volé, il te l'a volé. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, si tu es aveugle, il faut laisser. Spirituel. Eux aussi sont aveugles, toi tu veux les diriger. Vous allez tomber tous dans le même fossé. Il dit c'est parce qu'on est. C'est ça que Dieu veut, que Dieu donne le don de la voyance à nous les prédicateurs. C'est bien pour le prédicateur et c'est bien pour l'assemblée. Parce que nous sommes dans un monde spirituel où aujourd'hui on a besoin de ça. Quand tu vas vouloir voyager à l'aéroport, il y a ce qu'on appelle les scanners. À cause des trafiquants de drogue. Tous tes bagages, on les scanne d'abord. Mais on a besoin de don de voyance. Tu es un prédicateur, tu n'as pas un don de voyance. Mais tu fais quoi là? Tu connais même pas ceux qui sont. L'homme même là, on ne finit pas par le connaître. Tu viens prier. Je ne sais pas qui veut être prédicateur. Moi je prie pour tous mes disciples. Ah oui. C'est une obligation que Dieu te donne le don de voir. Les gens ils sont sorciers. Toi tu ne vois pas. Mais il à l'église, amen. La sorcellerie fait assez de dégâts. Amen. Et là où il y a la sorcellerie, vous n'allez jamais voir les moyens de développement. Vous allez voir les choses. C'est calé, 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 calé. Quand quelque chose est bloqué, c'est une action qui vient débloquer ça. Cette action-là. On l'appelle action prophétique. C'est pas prière. C'est une action inspirée par Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce qu'ils allons faire pour décanter la situation. Nous prenons deux rois, le chapitre 2, à partir du verset 19 à 21. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Deux rois. Allons-y. Les gens de la ville disent à Élisée. Écoutez, il dit les gens de la ville disent à Élisée. Voici le séjour de la ville est bon. Voici le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Et le pays est stérile. Il dit. Il dit. Apportez-moi un plan neuf. Apportez-moi un plan de toi, complète ça tout à l'heure. Oui. Et il lui jeta, et il le lui apportait. Et il le lui apportait. Il alla vers la source des eaux. Il alla vers la source des eaux. Et il jeta du sel. Et il jeta du sel. Il dit. Il dit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ses eaux. J'assainis ses eaux. Il n'en proviendra plus ni mort. Il n'en proviendra plus ni mort. Ni stérilité. Ni stérilité. Et les eaux furent assainies. Les eaux furent assainies. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Regardez la parole de Dieu. Écoutez, on nous parle de l'histoire d'Élisée. Élisée, c'est le fils spirituel d'un certain Élie qu'on appelle Élie le Tishbite. Il est la deuxième personne dans la Bible qui n'a pas connu de mort physique et qui est parti dans un champ de feu. La première personne fut Enoch dans le livre de Genèse qui est parti. La deuxième personne fut Élie, mais Élie le Tishbite. Donc, Élisée, il était l'enfant spirituel d'Élie. Il était à l'école des prophètes. Or, quand Élie est parti, Élie lui a laissé son manteau. Mais on a le manteau symbolisait la puissance. Quand il a eu la puissance,
Il allait d'abord aller séjourner dans une ville qu'on appelle Jéricho. Tu connais pas Jéricho? Il allait préparer son ministère. Mais ce qui est intéressant dans cette parole, les gens ont su que la solution au problème que vit le village se trouve entre la main d'Élisée. Amen. Et ils vivaient une misère dans le village. Tout ce qu'ils plantent ne réussit pas dans le village. De l'eau était empoisonnée. Rien ne marchait dans le village. Vous connaissez très bien dans l'histoire de Jéricho, où Josué a maudit Jéricho. Amen. Il y avait des malédictions. Des malheurs, des séries de malheurs dans la... Et tout le village a approché Élisée. Ils ont approché Élisée, ils lui ont dit, c'est vrai, j'ai venu en tant qu'homme de Dieu, tu séjournes dans le village. Mais regarde, en réalité, le village souffre. Rien. Je peux comparer Jéricho à Soroko. Parce qu'en réalité, votre prospérité, c'est ailleurs. Et ils ont parlé à Élisée. Et regardez ce qu'Élisée va faire. La Bible dit, Élisée a cherché comment résoudre le problème. Mais c'était un homme de Dieu. En temps normal, quand on invite un homme de Dieu, il prie, non? Okay. Mais regardez Élisée. Lui seul, comme c'est l'eau, il allait vers la source de l'eau. Il n'a pas envoyé tout le monde là-bas pour chasser l'esprit de Mami Wata. Non. Il allait là-bas résoudre le problème. La Bible dit qu'il a pris le sel, il a jeté dans l'eau. Il dit, à partir d'aujourd'hui, selon la parole de Dieu, j'arrête le problème. Et le problème s'est arrêté. Amen. Oui, parce que le prophète, c'est un apporteur de solutions. Lui, il ne vient pas pour prier. Non. C'est l'action qu'il pose là qui résout le problème. Vous allez voir dans l'histoire des prophètes, ils ont toujours posé une action qu'on appelle action prophétique. Nous allons voir dans 2 Rois 5, le verset 9. Écoutez bien la parole de Dieu. 2 Rois, mais ils ont donné des vilaines choses ailleurs. 2 Rois, chapitre 5, verset 9. Chapitre 5, à partir du verset 9. 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 9. Naaman vient avec ses chevaux. On dit Naaman vient avec ses chevaux et son chat. Devant ses chats. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager. Va. Va. Et lave-toi sept fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine. Et tu seras pur. Naaman fut irrité. Naaman est fâché. Et il s'en alla. Il est parti. En disant. Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, très bien, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Très bien. On dit amen. Amen. Regardez l'histoire encore sur Élisée. J'avais un monsieur qu'on appelle Naaman. Il était un gradé de l'armée de la Syrie. Il était frappé d'une maladie qu'on appelle la lèpre. Mais
Donc, en quête de guérison, va se rendre en Israël. Ils vont l'orienter vers Élie, le prophète Élisée. Arrivé chez Élisée, Élisée était dans la chambre. Élisée était occupé. Il est en train d'enseigner les élèves prophètes. Et donc il va envoyer Géasi. Il envoie Géasi, dit Géasi, le monsieur là, si vous êtes guéri, il n'a qu'à plonger dans l'eau. Qu'on appelle le Jourdain. Cette fois. Amen. Quand vous lisez l'histoire, on dit quand Naaman a pris cette information, il était énervé. Il dit quoi? Il dit, je me disais. On a même pas. Je me disais que si il allait sortir vers moi, il allait m'imposer les mains. Sauf cela que le prophète ne fait pas souvent comme vous voulez. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Le prophète là, c'est pas comme vous voulez qu'il fait. C'est ça que le ministère le plus bizarre, il est l'homme le plus bizarre. On est ça. Quand quelqu'un marche selon l'esprit, on sait d'où il vient et on ne sait pas où il s'en va. On n'arrive pas à Seigneur au prophète. Donc lui il vient, il dit, mais voici comment Élisée va travailler. Élisée dit non, va plonger dans l'eau. Il dit, mais quel rapport y a-t-il entre maladie et l'eau? En temps normal, quand quelqu'un est malade, on doit prier pour lui. Mais oui, on doit prier pour lui. Pourquoi tu veux qu'il est blond? Donc le prophète, là, on ne peut pas le cerner. C'est pas l'homme qui oriente un prophète. C'est le prophète qui reçoit l'inspiration, qu'on le suit. Or, quand il a dit à Naaman, Naaman n'a pas suivi Élisée. Il est parti dans la colère. Naaman, parce que Élisée n'a pas fait ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait là, c'est parce qu'Élisée a dit. Amen. On est quand nous. Mais quand les gens ont fini par le convaincre, il a essayé. On dit selon la parole du prophète, quand Élisée et Naaman a plongé dans le Jourdain, il a été guéri. Amen. Donc quand il y a une action, c'est selon Dieu que le prophète travaille. Est-ce que vous m'avez saisi? Je n'entends pas les amen. Je n'entends pas les amen. Amen. Le prophète travaille. Amen. Amen. D'accord. Alléluia. Le prophète travaille selon Dieu. C'est la compocla casse au nom du bout. C'est pour ça que personne ne peut orienter un prophète. Parce que quand il finit, il voit le compte. Lui, il va devant Dieu. Voyez, la gomme, il y a les choses que Dieu lui dit. Mais la gomme, il y a un défensaille avec lui. Mais c'est pour ça qu'ils sont très bien. N'est pas qu'on a brûlé les os. Prenons l'évangile de Jean chapitre 9, puis on va passer à la cérémonie. Jean chapitre 9. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Je vous montre un peu comment le prophète travaille. Alléluia. Quelqu'un qui était un aveugle, mais le monsieur est né aveugle. Ses disciples lui firent cette question. Les disciples posent la question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Oui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Très bien. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit écoutez, cela, très bien. On dit après avoir dit de cela, okay, il cracha à terre. On dit Jésus cracha à terre. Et donc, fit de la boue. Écoutez, ça veut dire quoi? Cracher à terre. Donc, n'est-ce pas? Cracher à terre. Fait quoi? Il fit de la boue avec sa salive. Non, vous allez prendre Jésus pour un féticheur. Le grand Jésus, il crache cette fois-ci à terre. Il fait la boue. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. La boue sur les yeux de l'aveugle. Mais voilà. Et lui dit. Et lui dit. Va. Et lave-toi au réservoir de Siloé. Très bien. Pourquoi chaque fois-ci Jésus change de méthode? Jésus, c'est comme ça qu'il voit pour Godo. Ah, c'est bizarre. Mon regard ne me obéit qu'à toi. Or, il y avait une femme qui avait perdu de sang. 12 ans. Elle a touché son vêtement, elle a été guérie.
Bartimée était aveugle. Il a appelé Jésus. Jésus l'a regardé. Il dit que cela soit fait selon ta foi. Il a été guéri. Mais pourquoi le monsieur, cette fois-ci, Jésus il prend la boue. Dans nos français, il va aller potapoto. Il prend potapoto, il met dans ses yeux. Et puis il dit, va te laver. C'est pour dire. En fonction d'une situation, Dieu donne une explication à son serviteur pour régler le problème. C'est ça. Il y a ce que vous désirez faire. Et puis il y a ce que Dieu donne comme inspiration à son serviteur. C'est pour ça que tout ne se ressemble pas. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Qu'est-ce que vous avez dit? Amen. Tout ne se ressemble pas. Jésus fait. Le monsieur pourrait se plaindre. Jésus, le monsieur peut dire, mais Jésus, j'ai entendu l'histoire de Bartimée, c'est pas pareil. Voilà, Bartimée, c'est pourquoi pour moi c'est comme ça? C'est comme ça, c'est comme ça, je n'ai pas pu le croire. Je compte moi ou bien? Et n'y a pas mais. Comment quelqu'un qui est malade met boue dans ses yeux? N'y a pas, on est hier, mais je n'ai pas pu le guérir. Oh, la femme a touché ton vêtement, elle a été guérie, mais toi, je compte moi ou bien? Le monsieur est resté muet. Il n'a rien dit. Il a laissé faire. C'est ça. Quand Dieu donne une explication à son serviteur, alignez-vous. Amen. Oui, alignez-vous parce que c'est une explication. Que vous, que ça vous plaise ou pas, c'est une explication pour régler le problème. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Le monsieur a accepté. C'est ça, donc, c'est ce qu'on appelle l'action prophétique. Ça nécessite l'obéissance. On dit à Nama, plan dans le jeûne, il ne veut pas. Tu veux pas. L'action est là. Le jeu, tu vas obéir, ça va guérir. Le jeu, il a accepté la guérir. Alléluia. Amen. Donc le prophète, il est dans les actions prophétiques. Amen. Il est dans les actions prophétiques. Jésus a pris la boue. Il a appliqué ça sur les yeux. C'était une action prophétique. Et qui a réglé le problème du monsieur. C'est pas pour moi, voilà, parce que l'action va à l'essentiel. Régler un problème définitivement. Et je vous disais que le prophète, il était un apporteur de solutions. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça se règle? Amen. Amen. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça se règle? J'ai parcouru la Côte d'Ivoire. J'ai commencé à ouvrir beaucoup d'emplois. J'ai beaucoup de travail à Gralao. Parce que là-bas, ils sont des bons sorciers, vrai. Pendant que tu les poursuis, ils traversent l'eau, ils vont dans l'autre. Et puis je les poursuis. Je prends pirogue aussi, je les poursuis. De l'autre côté. Arrivé là-bas dans un village, les gens m'ont empêché de travailler. Oui. Si tu es sorcier, tu te vois prophète, tu vas pas vouloir. Les gens ont demandé, mais qu'est-ce que prouve qu'il y a sorcier ici? J'ai pris l'huile. J'ai versé. Je suis revenu, j'ai parlé. Je suis parti. La semaine qui a suivi, on m'appelle. On y vient. Parce que tous ceux qui tombent là, ils disent ont mangé quelqu'un. J'ai dit, mais vous avez dit dans un village, il n'y a pas de sorcier. C'est maintenant, me donne la possibilité de travailler. Quand j'ai commencé, frère, c'est là que j'ai vu dans un village ou dans une maison, il y a le sang humain dans une bouteille. C'est pas en rêve, ni en esprit. Vrai. Ça, qu'une dame utilise. Parce que c'est elle qui dirige un restaurant des sorciers dans le village. C'est ce qu'elle met. Et j'ai fait sortir la bouteille. Vrai, le sang humain. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes là pour poser une action prophétique. Amen. Amen. Nous voulons que le village soit délivré. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord pour la délivrance du village? Amen. Comme je vous disais hier, quand je suis rentré dans le village, je n'ai plus demandé jusqu'à maintenant. Tant que je ne finis pas, la nourriture n'a pas de ma bouche. C'est comme ça. Parce que tout ce que je dois dire doit s'accomplir. La nourriture ne doit plus rentrer dans ma bouche. Tout ce que je dis doit s'accomplir. Je vous ai parlé de la puissance de la parole. Toute la nuit, j'étais dans la présence de Dieu. Pour que tout ce que je vais déclarer sur ce village puisse arriver. Amen.
Amen. Alléluia. C'est un problème très sérieux. Alléluia. Comme je disais, c'est une grande base. C'est ici qu'ils viennent faire le marché en sorcellerie. Ouais, des grands marchés de sorcellerie. Donc ça nous intéresse à poser des actions. Dis à quelqu'un, tu seras délivré. Pendant que vous dormez, les gens font le Godoubou ici. Le Godoubou, chacun achète marché, il va préparer son sarachi, son djoumé, son père. Nous venons tout le monde. Mettez-vous ici. Il a seulement trois manches de vie sur lui. Ouais. Voilà, sorciers sont programmés. Dieu va te délivrer. C'est tout. Quand une révélation sort sur ta vie, c'est déjà la solution. Chef.